Salut tout le monde, c'est votre Kejo, on se retrouve pour un tu préfères 2. Oui. Parce qu'avec Jordan on l'a fait un peu posé et on s'est dit putain ça a plu aux gens de ouf parce que en plus de faire des choix et d'utiliser notre humour à bon escient pour vous divertir, on a aussi fait des morales. Nous avons la question sur les animaux que j'ai. Je rejoignais votre point de vue. Ah oui, les corridas. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit aparté pour les 0,005% de commentaires qui soutenaient la corrida. Mais si vous pouviez aller dans un caniveau crevé. Ah non, parce que si ça vous dérange pas que des animaux meurent, pourquoi pas vous? Avant de commencer, il y a un gars qui a quand même sorti. Non mais c'est des taureaux qui depuis la naissance sont élevés pour ça, donc ça va quoi. Tu sais que 95% des taureaux sont sauvés. Mec, t'as rien compris juste, à la corrida. C'est comme si toi, genre depuis ta naissance, en gros, on te pourrissait la vie, on te forçait à faire un truc que t'as pas envie de faire du tout. Et à la fin, on te tue. Non mais voilà, c'est juste voir des gens regarder d'un animal souffrir. Non. Bon bref, c'est un débat super long, mais les mecs qui défendent la corrida, vous êtes des nazis quoi, vraiment. Première question, est-ce que tu préfères sucer ton père ou avoir un sabre laser ou est-ce que tu préfères utiliser la force? Alors moi personnellement, dans la vraie vie je pensais bien d'avoir la force quand même. Ouais, après un sabre laser mec pour c'est couper stylé. Du sauce. Mec, ils veulent justifier tu vois. Saucisson et tout. J'ai envie d'acheter un sabre laser et comme ça à chaque fois les monteurs ils l'éclairent et tout et je fais des... Ça fait trop chiant le montage mec. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une Saint-Pellegrino laser. J'espère que ce montage de qualité vous aura plu. Mais je suis carrément pour utiliser la force, mec, pour ouais. Déplacer tous les trucs. Quand t'as la flemme, c'est trop bien. Tu m'étonnes. Ouais. Bah, bien sûr. Tout le monde s'est fait la réflexion d'avoir la flemme. Attends, bah, d'ailleurs, on peut pas faire des choses légales et fun avec un sabre laser, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Parce que découper un pote, c'est marrant, mais c'est pas légal. Est-ce que tu préfères te battre contre Jackie Chan ou te battre contre Jet Li? Bon, déjà, moi les deux, je les démonte, ça c'est sûr. Moi, Jackie Chan, juste parce que comme ça, à la fin, qu'on s'est battu, ouais. J'allais dire, il m'aura juste mis une claque dans la gueule, ça sera fini. Ouais. Et ben, je discuterai avec lui parce que Jackie Chan, c'est mon enfance. Mais c'est attention, vrai. Pas Jackie Chan, le dessin animé Jackie Chan. Le truc avec les talismans là? Les talismans. C'était tellement bien, mec. Les talismans. Jackie. Jackie. Et tu sais, à la fin de l'épisode, t'as Jackie Chan qui faisait de morale. Il disait un jour avec vos problèmes en live. Il y avait un gamin de 8 ans qui disait ouais, moi à l'école. Okay. Ah oui, c'est vrai. Il disait tu dois savoir te battre et te défendre. Ok. Oh là là. Mec, ah, c'est le débat qu'il fallait pas qu'on ait. Vraiment pas. Est-ce que tu préfères manger KFC pendant un mois ou manger Taco Bell pendant un mois? Et là, je te coupe parce que bon, ça va paraître prétentieux, mais je suis pas sûr que t'as déjà mangé à Taco Bell. Non. Mec, à chaque fois que je vais aux États-Unis, je fais chier tout le monde, mais vraiment tout ouais. Le monde, pour aller manger au Taco Bell. C'est vraiment bon. Ah ouais, la dernière fois, bah, genre à Los Angeles, on a pris un Uber juste pour ça. Mais c'est tellement bon! Donc y a même pas le choix, c'est Taco Bell, vraiment. Et étant donné que je ne connais pas Taco Bell, je ne vais pas. Je, tu vois, je vais ça pas c'est bien, il est bien, il est gentil. Bon, ouais, Taco Bell. Quoi? Mais ouais, je pense que à mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Et du coup, genre instinctivement, un peu comme moi, oh KFC! Taco Bell, vraiment, c'est un bonheur. Un bonheur! Bah, mais le vois. Mexique aussi, c'est beau, hein. Pour rien avoir, mais faut le dire. Est-ce que tu préfères n'avoir jamais lu un livre ou n'avoir jamais écouté de musique? La musique c'est tellement la vie. Exemple, cette musique de fond. Tu avais quoi? Justin Bieber. C'est tellement la vie. Est-ce que tu préfères perdre toute notion d'émotion ou est-ce que tu préfères être physiquement paralysé? Que soit t'es jamais amoureux, soit tu peux jamais baiser. Pas d'émotion. Un mur. Ouais, un mec genre un peu ouais, ultra stone tout le temps quoi. Ouais, un fonce-dé quoi. Mais franchement c'est les émotions c'est quand même bien mais bon, je préfère pas avoir d'émotion. Eh, pas d'émotion, pas de problème. Exactement. America. Est-ce que tu préfères être meilleur ami avec Harry Potter ou Katniss Everdeen? Mec, je connais pas du tout Game of Thrones. Ah, c'est ah oui, si je me souviens. Dragon. Oui, Daenerys. Enfin, ouais. Je préfère être pote avec Harry. Ouais, parce que Katniss, autant la baiser. Alors que ouais, Harry Potter, c'est cool. Le mec avec l'iPhone, c'est trop chiant de sortir la lampe. Faut monter le truc. Lui, il arrive et il fait Limos. Hop, Vipendo. Un petit crash Limos comme ça. Est-ce que tu préfères être à poil devant ta famille pendant 3 heures ou est-ce que tu préfères être tout nu dans la rue pendant 5 minutes? Je m'en bats les couilles. C'est ce que j'allais dire la même, mec. Mais franchement. Bon, je veux dire 3 heures parce que dans la rue, je pense que tu peux te faire arrêter pour exhibitionnisme. Ouais, et puis quand t'es youtubeur. Vodka a complètement paniqué, il montre sa teub et fouette des gens. Petite question. Non, moi je dirais. Thé ou café? Café. Moi je dirais thé. C'est vrai? Comme quoi, hein, on peut être amis et pas avoir les mêmes goûts. Effectivement, on est amis. Abonnez-vous! Tu me considères comme un ami? Non, c'est pour la vidéo. Okay. On l'a déjà avec Maxime il y a très longtemps dans les vidéos Pizza Guy, même les vidéos qu'on avait fait. Est-ce que tu préfères savoir exactement ce qui se passe dans la zone 51 ou est-ce que tu préfères avoir 1 million? Et moi, je préfère vraiment savoir ce qui se passe. Ouais, j'ai envie de savoir aussi. Genre, vraiment, c'est un truc qui m'intrigue de ouf, mais. T'as déjà regardé genre toutes les émissions là qui durent 4 heures en mode. Ouais, ils font des théories. J'ai vu des mecs aussi qui expliquent qu'en gros, t'as la zone 51 et qu'autour de cette zone, t'as 10 km de capteurs en fait, au sol, invisible, des tout petits trucs. Et dès que t'es à 10 mètres du capteur, ils te repèrent et du coup, ça sonne dans la base et genre, t'as vraiment un avion qui passe au-dessus de toi, un hélicoptère ou un truc, vraiment, si tu vas trop près. Donc après, soit tu cours très vite,
Mais dans tous les cas, c'est super cool jusqu'à là-bas, vraiment. Ils ont pas autorisation d'abattre les gens, genre à une certaine distance proche de la base. Je pense que s'ils abattent quelqu'un, il y a pas de nouvelles et tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Enfin, en gros, on sait pas trop ce qui se passe ou alors il se passe rien, mais c'est. Hey, on a envie de savoir. Oh, les gens ils veulent pas savoir. Je pense que c'est parce qu'ils ont. C'est ce que je t'ai dit, il y en a qui ont peur un peu. Ok. Est-ce que tu préfères surprendre ton meilleur pote dormir avec ta mère ou surprendre ton meilleur pote dormir avec ta sœur? Avec ma sœur en vrai. Ah ouais. Ouais. Mais avec ta mère c'est chaud. Surtout si toi t'es déjà à côté, tu vois. Ouais. Non, c'est surtout que. Non, encore la sœur, j'avoue, c'est ton meilleur pote, tu dis bon voilà quoi. Mais la mère c'est. Il y en a, ils préfèrent la mère. 291 000 en plus. Oh les Américains. Et dis bien essayé, Ron Weasley. Elle est bonne. You suck. Est-ce que tu préfères être une star dans un film d'animation ou être une star dans un film d'action? Moi, film d'animation. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, j'argumente. Je trouve que tu peux faire des trucs beaucoup plus stylés, même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux et tout. Bah, je trouve c'est surtout que c'est pas la vraie vie. Donc ouais, voilà, c'est ça. Donc tu peux carrément faire des trucs de ouf. Ouais, mais après, quand même, live action. Bah, du coup, c'est toi qui joues quoi. Ah, je pense que quand t'es acteur, les gens se rendent pas compte. C'est vraiment, je pense, l'un des métiers les plus durs, vraiment. Ouais, clairement. D'ailleurs, je peux comprendre des fois les salaires qu'il y a parce qu'il y a la notoriété du mec, il y a aussi vraiment l'acting et c'est très fatigant. T'es loin de ta famille et enfin, bref, c'est compliqué comme métier. Mais moi, je préférerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Quoi? Il y a seulement 27% des gens qui veulent. C'est des ricains, mec. Ce qu'ils veulent, c'est des explosions et de l'essence. Ah, je suis choqué quand même. Ouais, mais ouais. Oh, ça c'est intéressant. Ça, c'est un truc que j'adore parce que j'ai jamais eu à voir avec des gens. Est-ce que tu préfères être le dernier humain sur Terre ou est-ce que tu préfères être mort? La mort. Ça demande un petit temps de réflexion. Réfléchis. Prends ton temps pour l'instant. Je vais checker les messages de ta mère. En fait, je pense que la majorité des gens préfèrent être mort, mais je pense que je préfère être le dernier homme sur Terre. Autant être le dernier et après tu te suicides. Comme ça, tu donnes la mort quand tu veux, plus ou moins. Tu fais tout ce que t'as envie de faire. Tu peux faire tellement de trucs, mec. Ouais. Mais les gens. Mais je pense que ça me choque à moitié. Franchement, je pensais qu'il y aurait plus de gens qui voulaient être morts que le dernier humain. Alors là, mec, là, c'est un choix de ouf. Bah, je te laisse le faire parce que j'ai jamais joué à Fallout. C'est vrai, non! J'ai jamais joué à Fallout, mec. Est-ce que tu préfères vivre dans l'univers de Fallout ou est-ce que tu préfères vivre dans l'univers de Skyrim? Skyrim, ça se passe, c'est un univers un peu Moyen-Âge, ouais, médiéval, voilà. Avec des dragons. Fallout, c'est genre une ville qui a été explosée par une bombe nucléaire, donc t'as vécu dans un abri souterrain pendant des années. Tu sors de ça pour du coup partir à l'aventure, avoir des quêtes. Et c'est genre style années 50. Post-apocalyptique, ça peut être stylé comme, je sais pas. Skyrim, c'est plus épique, mais Fallout, c'est plus années 50 et un peu ouais, rétro et tout. Années 50, ça me donne bien envie, mais je pense que là, à choisir, je dirais plus Skyrim. Le côté post-apocalyptique. Ouais, après le... Non, ouais, tu vas te brider. Ok. Pff, vous êtes des cons. Est-ce que tu préfères avoir de nature une super agilité ou de nature une super intelligence? Alors je vais te laisser répondre parce que moi j'ai les deux donc Ok, moi je préfère agilité. Franchement je préfère être comme je suis et faire des... aller superviser ouais, tout. Ouais pareil, trop bien. Moi j'imagine trop, ouais c'est ça. Tu cours, tu t'as de les jumps et tout sur les toits, c'est trop bien. Quoi? Ouais non mais les gens sont cons, ils ont pas envie de baiser. Je suis sûr c'est juste l'intelligence, ils veulent trop genre C'est des cons. Alors, tu es plus chocolat ou vanille? Moi je suis plus vanille. Moi je suis plus chocolat. Abonnez-vous les loulous. Bah dis donc, c'est marrant, j'ai plus de gens que toi. Oui mais je pense que... ça ne nous empêche pas de rester amis. Oui. Est-ce que tu préfères avoir un nom de voiture, comme Mégane, ou si tu préfères avoir un nom de fruit comme Clémentine? Franchement, un nom de fruit, je trouve que c'est plus raffiné. Ouais, ça me fait vraiment péder quoi. Pardon. C'est une blague bien sûr. Ouais mais je pense que t'as des fruits virils un peu, non? Genre litchi, ça passe. Me jugez pas! Litchi, ça peut passer, tu vois, pour un mec. Ça fait nous manga. Ça fait, ouais. Je te présente mon frère, Litchi! Salut, je m'appelle Litchi! Voilà, maintenant en voiture, le mec s'appelle Mustang. Mustang, ça fait beau, un peu. Ouais, salut, c'est Mustang! Trouvez-nous un nom cool de free voilà, ou de merci. Voiture, mais là, non, je suis désolé, voiture. Ah bah, c'est des ricains, bien sûr! Merde. Oh, est-ce que tu préfères être coincé sur la lune ou flotter dans l'espace? Bien sûr, en prenant en compte que tu ne meurs pas. C'est con, mais je pense psychologiquement t'es mieux sur la lune qu'en train de flotter. Moi, mec, je parlais de dire que t'es en train de flotter, mais genre complètement défoncé. Ouais, mais. Tu nages dans les étoiles, mec. Trop bien. Ouais, alors que Mistake on the Moon, ouais, ça passe comme. Ouais, tu te fais un peu chier, je trouve. Est-ce que tu préfères être Aquaman ou être l'homme torche? Aquaman. Tu vas me taper? C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai, Aquaman. Aquaman, ouais. Mec, c'est une merde. Mec, t'es sous l'eau. Mais l'homme torche, mais mec, tu fais quoi? T'as une torche, tu fais quoi? Tu voles, mec. Ouais, ok, tu voles. J'avoue que voler, genre ça, je kiffe. Mais à part ça, après, c'est vrai qu'Aquaman, dans la vraie vie, quoi, t'es dans un bassin, quoi. Voler, genre, j'avoue, c'est un kiff. Tu peux faire des barbecues et tout, comme ça. Vas-y, mec, ça m'a saoulé. Allez, on va te voir. Allez. Mais mec, mais Aquaman. Allez, allez, c'est bon. Mais mec, mais Aquaman. Question suivante. Est-ce que tu préfères te téléporter ou pouvoir te déplacer dans le temps? Alors, on débat vraiment? Moi, je sais même pas, y a pas à débattre, c'est voyager dans le temps. Juste pour répondre à toutes les questions que je me pose. Non mais il y a tellement de trucs à aller voir mec. Déjà les dinosaures. Ouais. Tout ça mais c'est ouf. Moi à choisir je pense que je prendrais aussi le voyage dans le temps. Mais d'accord c'est trop bien. Ouais, pour les vidéos ce serait trop bien en plus. Oh putain 50-50. Le vlog dans la préhistoire. Allez dernière question parce que celle-là j'aime y en parler. Est-ce que tu préfères que ta copine te trompe avec une femme ou est-ce que tu préfères que ta copine te trompe avec un homme? Moi ma copine me trompe avec une meuf. Je sais ce que tu veux dire. Comment ça me fait bander mon pote. J'arrive je tape dedans dans les deux quoi. C'est sûr alors qu'avec un mec ça me ferait chier. J'espère que cet épisode 2 vous a plu. Des vidéos un peu plus posées mais moi j'aime bien. Moi ça change un peu sur
sur la chaîne, mangez bien de la dinde et fourrez-la, hein, avec plaisir. La grosse dinde. Fourrez-la, la grosse dinde. Allez, salut. Allez, casse-toi. Dun 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 d